Bonjour, c'est Gabriel Garcia à l'appareil du Centre pour l'immigration en région. Cette fois-ci, nous sommes à Montréal, nous ne sommes pas en région, mais ça nous attirait cette beau festival qui s'appelle Taco Fest. Donc c'est un festival mexicain dans lequel on va déguster des tacos et toutes sortes de nourritures mexicaines. Donc voilà, ben, suivez-nous, donnez-nous un pouce en haut si vous aimez ça. C'est ça qui nous fait vraiment s'autofinancer, puis continuer à faire c'est ça notre mission, c'est de promouvoir la multiculturalité et l'interculturalité ici au Québec. Donc voilà, suivez-nous, on va vous présenter ça, Taco Fest. À bientôt. Donc voilà, nous sommes ici en plein festival, puis là il faut aller acheter des jetons. Donc j'imagine que c'est à cause que les organisateurs ils demandent peut-être un pourcentage de vente pour si jamais vous êtes commerçant puis aimeriez ça venir s'installer ici au Taco Fest l'année prochaine. J'imagine qu'il doit avoir un contrôle des ventes. Donc il faut acheter des jetons. Donc on le voit ici en arrière, on va acheter nos jetons puis acheter quelques tacos. Un taco qui me semble très intéressant, c'est le taco à la poutine. Donc c'est ça, c'est sûr qu'ils devaient le goûter. Pour les personnes qui ne connaissent pas la poutine, c'est une assiette typique de casse-croûte ici au Québec. Donc c'est des pommes de terre avec une sauce brune qu'on appelle. Puis ben, c'est une recette secrète que je ne connais pas, mais elle est très bonne. Donc c'est une fois essayé dans la vie, donc je vous invite à venir goûter les tacos à la poutine. Ah ah, j'ai mes jetons. J'ai acheté pour 60 pièces des jetons. Donc là, c'est ça, je ne sais pas combien que je vais avoir pour ça, 60$ des jetons. Mais ça a l'air que ça va être bon. J'espère que je vais avoir assez. Donc voilà, ça n'a pas été long. Donc oui, c'est cool d'être venu dimanche. Peut-être qu'il y a moins de monde, mais je pense que... Mais c'est ça, je vais profiter plus aussi. Il y a moins de files d'attente. Donc hier, j'aurais dû être fou, là, je pense, samedi. Il était plein, c'était tout vendu. Dans quelques heures, j'avais plus accès. Donc là, je suis content quand même. Il y a moins de monde aujourd'hui. Mais je pense que ça va être un avantage pour nous. Donc voilà. We'll be right back.
Voilà, j'ai obtenu 30 billets par 60$, donc ça fait 2$ le ticket. Puis je viens d'acheter 3 tacos à 9 billets, donc ça me fait 18$, évidemment, si on est bon en mathématiques. Donc voilà, ben, j'espère qu'ils vont être bons, parce que là, je les trouve un petit peu chers que d'habitude, mais bon, en tout cas, ça vaut la peine pour un taco de poutine. Donc ben, on va goûter les tacos à la poutine. Donc les voilà, on va goûter ça. Ah, regardez ça, c'est... Ah. C'est vraiment bon. La gaffe de pas charger le téléphone, donc bientôt je serai sans batterie, mais bon, j'ai pas pu vous montrer tout le festival de soleil, donc je vais essayer de faire des prises, quelques prises encore, mais bientôt j'aurai pas de batterie, quelque chose de à prévoir. Toujours charger votre batterie de soleil.